Bonjour Gaston de Toulouse. Quoi de neuf dans la minute de Gaston? Bonjour à tous. Un déluge de mauvaises nouvelles s'abat sur la tête de notre bon président. Les bourses s'effondrent et celles des Français sont vides. La croissance va en prendre un coup. Comme la vitesse sur les autoroutes urbaines, elle risque d'être très ralentie. La promesse de baisse des impôts en est sérieusement compromise. Valls persiste et signe en ne changeant pas de cap. Pour baisser les impôts, il faut tout d'abord, tout bêtement, baisser les dépenses et arrêter de la jeter l'argent public par les fenêtres. Un exemple parmi tant d'autres à méditer. Les intermittents du spectacle coûtent un tiers du déficit de l'assurance maladie alors qu'ils ne représentent que 3% des chômeurs. Gaston de Toulouse.